Hier, farouche opposant au pouvoir d'Alpha Condé, Mouktar Diallo, ministre de la Jeunesse, se veut aujourd'hui fervent défenseur de l'idée de mise en place d'une nouvelle constitution. Pour le président des Nouvelles Forces Démocratiques, NFD, un seul élément à lui seul suffit pour changer la constitution. Il y a un gros mensonge dans la constitution de 2010 qui la décrédibilise. Il y a un passage qui dit, libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée adopte la présente constitution. Mais c'est archi-faux, un gros mensonge qui figure dans la loi suprême de notre pays. Mais quel peuple a adopté la constitution du 7 mai 2010? Ce seul point suffit pour mettre de côté cette constitution qui a été adoptée en mettant complètement à l'écart le peuple de Guinée, avance-t-il pour soutenir son argumentaire, tout en précisant que le mode d'adoption d'une constitution est aussi important que son contenu. Selon le ministre Mouktar Diallo, le Conseil national de transition, CNT, n'avait pas mandat d'élaborer une constitution. Et la constitution en vigueur a été promulguée par un putschiste qui n'avait pas la légitimité de le faire au nom du peuple de Guinée. À l'en croire, le CNT que dirigeait Hadji Arabiatou Séra Diallo avait pour mandat de mettre en place un dispositif juridique pour aller aux élections afin de sortir de la transition. Point barre. Ce